toujours en direct depuis le studio du Siècle Vert au Salon de l'Agriculture Pavillon 4. Et vous pouvez toujours réagir sur nos réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Siècle Vert et poser vos questions à Charles de Courson, député Les Centristes qui vient de nous rejoindre. Bonjour Charles de Courson. Bonjour. Alors Charles de Courson, on est avec Camille Garcette aussi. Camille Garcette, bonjour. Bonjour Lucas Pierre, bonjour Charles de Courson. Camille va vous présenter, il va faire votre portrait. Il a sa façon à lui, bien propre à lui de le faire. Je vous laisse écouter et on réagit juste après. Charles de Courson assure la tradition politique de père en fils depuis deux générations. Première expérience à la mairie de Vanneau-les-Dames, là où votre père était maire, oui, paix à son âme. Il est resté 30 ans à la tête de la mairie, et le pire c'est que c'est pareil pour vous aujourd'hui. 60 ans de règne de la famille des Coursons, indétrônable même avec 50% d'abstention. Vous êtes plutôt centriste avec des positions claires, soutien de Bayrou ou Sarkozy, parfois on s'y perd. Vous êtes anti-mariage gay pour des raisons de fond. Toujours pas compris votre argumentation, respecté par l'ensemble de l'assemblée. Dans la finance, vous êtes décrit comme le plus calé, le moine soldat, celui qu'on ne peut traire assez à faire des déclarations un peu déplacées. Vous vouliez augmenter le salaire des députés de 5 à 9 000 euros, c'est peut-être un peu abusé. Petit rappel histoire, que tout le monde se sente bien, votre indemnité c'est le double du salaire moyen. Député depuis 30 ans, vous en avez vu passer, connu et respecté par les partis de l'Assemblée. Dernier combat contre la loi anti-casseur, un discours poignant qu'a fait le buzz sur Twitter. Charles de Courson est toujours maître de fonction, 30 ans en maire député et ça relève de la fiction. Vous êtes notre invité sur le plateau du Siècle Vert, mais votre programme écologique reste toujours un mystère. Bravo Camille Garcette. Merci Lucas Pierre. Merci. Bravo Camille. Charles. Alors Charles de Courson, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'avez-vous pensé de ce rap? Ça vous fait rire, en tout cas? Oui, ça me fait beaucoup rire. Je trouve ça assez sympathique. Vous voyez, merci. Il y a quelques petites inexactitudes, mais c'est pas grave. Globalement, on c'est passera. À peu près ça. Voilà. Merci. Donc, bravo. Merci à vous. Merci beaucoup, Camille Garcette. J'aurais pu vous rappeler que c'était un. Voilà. Oui, pardon.